Bon, ma femme, quand elle crie, c'est de plaisir. Je suis obligé de l'étouffer pour la faire taire. Mais enfin, Bubus, dans notre couche, ça se passe pas mal. Tu sais rien faire tout seul. Tu me prends pour un dracard. Tu veux que tous tes potes embarquent en même temps que toi. Mais de tout temps, les couples ont fonctionné comme ça, et dans plus de 1000 ans, ça changera rien. Dans 1000 ans, ce sera encore comme ça. Moi, ce que je vous propose, avec un breuvage, on pourra avoir une vision de l'avenir. DRH ? Mais où est Olga ? Cherche quoi là? Allez, on charcute! Ok, je vois. La raclette, le PQ. Les seules choses que les clients n'assument jamais d'acheter. Ouais. Les tampons et les capotes aussi. Mais qu'est-ce qu'elles disent? Comment est-ce possible? Nos femmes, des guerrières, et si fières, comment elles ont fait pour finir derrière cette machine? Oh! Jean Reno, là, quand t'auras passé 8 heures au turbin, tu pourras éventuellement ouvrir ton claque-merde, bien cordialement. Ah, parce que vous faites ça toute la journée? Et qui s'occupe des petits? Ben, la nounou. Les petits sont avec la nounou, et moi, je travaille pour payer la nounou. C'est clair! Moonval, tu sais que je suis un brave guerrier, hein? Oh oui, mon frère. Mais là, je rentrerai bien chez nous. Monsieur Bauderche ! Monsieur le directeur. Ah, les clodos. Messieurs, en quoi puis-je vous aider ? Qui va t'aider, toi ? Je suis 5 étoiles de ta coin d'ombre. Le thug, monsieur Bauderche. Calme-toi, Hagen. Il n'existe pas. C'est qu'une vision. Je n'existe pas. Je suis le directeur du Monoprix. Je suis diplômé, moi, monsieur. Monsieur Fauderche, c'est parce que vous avez voté En Marche? Ils vous méprisent, ces bouseux. Fasciste. Moi, fasciste? On me l'a jamais fait, celle-là. Fasciste, moi. Val. Oui. C'est ce que ça veut dire? Non. Ah. Si c'est qu'une vision, pourquoi je peux pas le buter? Ouais, tout be free. Je me suis battu pour en arriver là, ok? C'est du code? J'y comprends rien. Allez, je peux lui péter la gueule. Oh! Oh! Les forains, là! On se détend, d'accord? On va laisser Monsieur Fauderche tranquille. Parce que les braquages, là. Jusque-là! Donc les pauvres, ça dégage d'ici, ok? Ben, vous devez devoir les suivre, alors. Hein, je plaisante.
Bon, mes guerriers, je crois que je n'ai assez vu et entendu. Olga a dit que pour sortir de cette vision, il fallait se pincer une bourse. Allez, on se casse. Oui. Entre chez nous. Allez, ciao les francs. Guerrier, pour où? Ça marche? Ça fait mal. Ah ouais? Et pour toi? Et ça pue. Non, pas plus que ça, non. Béatrice, rappelez-vous ce que les mecs de Haseki nous ont appris. Pas de mouvement brusque avec ces drogués. Allez, venez chercher. Monsieur Fauderge? Ta gueule. Bonjour. Mademoiselle. Vous êtes de la police? Ouais. Ben vous? Oui. Bon ben, ils sont par là. On y va. Hakim. Karim. On s'en fout. Ça se passe bien ton premier jour dans le bac, là? À part les collègues alcoolos, ouais. Ouais. Toi, je suis sûr que t'aimerais bien conduire la bougnoule, la bagnole. Ah, super. Bon, attends. Là, tu me laisses gérer, hein. C'est moi le pro, ok? Donc, tu m'écoutes, tu apprends. Ok, le bleu? Enfin, le bleu, je me comprends, hein. C'est pas là. Mon de Dieu, c'est quoi ce bordel? Cole! T'as de la famille chez les gitans maintenant? Non, je les connais pas, non. Tu me poses immédiatement ça par terre. Mais mec, vous aviez le projet de braquer une boucherie ou quoi? Non, pas Cole. Mais le descendant de ce brave Cole. Et Hakim? Karim. T'as vu la pose? Elle est classe là, hein? Ouais. Au fait, je me posais la question. Ça fait mal la circonfusion? C'est la circonfusion, là. Chez les délinquants, quoi. La circoncision. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Bon, les amis, papier. Votre identité. Je suis Gunvald Leblanc, le nordique, fidèle à Odin. Si je dois mourir, ça sera l'arme à la main. Et moi, je suis Mike de la BAC. Et je te laisse 5 secondes, sinon je te gilet jaunisse. Ça a de la gueule, y a pas à dire. Ça change des reportages dans les quartiers. Mais là, les gars, va falloir qu'on utilise la force. Elle est bizarre, ça, H. Tout a rétréci à leur époque. Non, mais on est au rayon surgelé aussi, là. Non. Bah si. Non. Ah bon. Je commence à croire que c'en est pas une. Tiens, ben, essaye de me frapper pour voir. Ok. Non, c'est pas une vision. Putain, mais vous êtes quoi les gars? Vous faites du MMA? Vous êtes des reptiliens comme sur internet. Mourir dans ces conditions, je m'en remettrai pas. Guerrier, gardez votre sang-froid. On en a vu d'autres. Il faut reconnaître quand même que c'est nouveau ça. Bon mes frères, messieurs, vous ne laissez pas le choix, je vais devoir vous embarquer. Ah oui? Et sur quel navire? Bon allez les gars, c'est pour YouTube là. C'est un prank. Mais oh, va falloir nous suivre bien gentiment au commissariat, parce que sinon je vais vous faire un plan spécial Castamer. Suivre le descendant de Cole, pas de problème. Mais toi, non. Sûrement pas. Veik. Aucun doute. Oula, oui. Il pue. Je ne peux pas affronter un homme malade. Un homme qui est presque à terre. Impossible. Mais de quoi il parle ce con? Non, je veux pas leur donner raison, mais c'est vrai que même ce matin, t'as toussé un petit peu. Et alors? Non, dans ton café, t'as toussé un cafard. Et alors? Crois-moi, petit homme. Nous, les hommes du Nord, avons cette faculté à sentir les hommes, les vrais. Tu souffres clairement d'une maladie lourde, qui va te tuer dans pas longtemps. Nous avons interdiction d'interagir avec toi. C'est la règle. Moi? Malade? Mais n'importe quoi! Mais je pète la forme! Tu bois du dissolvant. Et alors, t'en bois pas, toi? Personne n'en boit. Oh. Y a d'autres trucs que tu bois comme ça, qui sont interdits? Tu crois quoi? Que je peux payer d'autres trucs comme ça avec mon salaire? Je viens d'arriver à la BAC, je suis à 1006. Et alors? Ça fait combien de temps que t'es flic? Ben, 15 ans. Et alors? Ben, 1615. Ah ouais. Qu'est-ce que tu sais, toi? T'es là depuis pas longtemps, non? Tu te calmes. Moi, ta femme, je l'ai rencontrée ce matin au bureau. Et... Elle allait à la machine à café avec Bruno.
Et Eric. Et bon, ce que je vais te dire, ça va te faire du mal, mais je crois que je préfère te le dire. Ta femme, elle suspecte des touillettes, quoi, c'est évident. En fait, il est cocu. Mais c'est pas bien grave. Hein. T'es comme tout le monde. T'es français. On y passe tous. Crois-moi. Notre flair est légendaire dans notre pays. La salope! Je me casse le cul toute l'année pour lui payer le loyer de sa baraque! Allez, mon pote, on saisit toi. Hakim? Karim. Mm-hmm. Ah, je te jure, ça fout mal à l'aise. Je crois que je préfère prendre ton arme de service et te mettre une balle. On dira suicide. Eh, hey, pareil, hein. Sauf que pour moi, c'est pour payer le loyer, nourrir les gosses. Parce que monsieur est parti, hein, avec une belle espagnole. Hein? Excusez-moi, vous êtes qui exactement? Je suis caissière. Bah, tire-toi. Bon, il est où ce gros compte directeur? Oui. Putain, c'est prêt. Qu'est-ce qu'on fait là? Je veux qu'il quitte les lieux. Bon, je suis désolé, messieurs, la tenue, l'attitude guerrière et tout, moi je suis fan. Hein, mais là, j'ai pas d'autre solution que de vous demander de me suivre. Hein, sinon, je serai obligé d'appeler les renforts. La salope, je lui ai tout donné! Mike, s'il te plaît. Hein, tu reprends le kangou, hein, tu montes? Tu te prends une ou deux crocs, tu mets rire et chanson, hein, voilà. Mmh. Pense gilet jaune, manif, gazage, violence, LBD. Enfoiré de putain de merde. Et tu me fous le camp. La salope. Bon. Sale pute. Hé, hey, tu sais ce qu'ils sont? Ah ouais, des migrants. Non, ils viennent d'une autre époque. T'as pas dit que t'arrêtais la croc au boulot, toi? Béa, je sais ce que je dis. J'ai vu ça sur YouTube. Quand l'apocalypse approche, le temps se contracte et permet aux gens de voyager dans le temps. Je te crois, y a pas de souci. Hein. Bon, prends quand même quelques petits jours de RTT, tu vois, tu te détends chez toi, t'es vanille Galapagos, toi. Peut-être pas mal. Tu sais quand même que je suis descendante d'une lignée de vikings. Ouais. Et mes grands-parents étaient déjà... complètement tarés. Non, magiques. Bon, maintenant qu'on est tout seul... Oula, attendez. Bon, j'ai un truc à vous dire, c'est super important, calmez-vous. Je suis le commissaire, Caroline Forêt. Je vais me charger de cette affaire, vous pouvez y aller. De quelle affaire vous parlez, là? C'est des SDF qu'on fait. Non, mais là, c'est un peu plus complexe. Hein, je vous l'ai dit gentiment juste avant. Je m'occupe de l'affaire, mes hommes sont en chemin. Vous y allez. Mais... c'est toi, ma pupus? La descendance de pupus. Calme-toi, Gunvald. Tu es sûr qu'il est de la lignée de Cole? Se laisser parler comme ça par une femelle? Femelle? Vous dites ça parce que je suis lesbienne? Laisse quoi? Bon, ces hommes-là font l'objet d'une enquête qui remonte à bien plus longtemps que vous ne croyez. Ça vous dépasse complètement. Donc, si vous voulez pas que je vous envoie la circulation... Oui, j'ai bien compris, oui. Les Illuminati, les francs-maçons, la Terre plate. Le complot. Allez, rejoins votre collègue qui pleure dans le kangou. Et c'est pas une question. Tu as traversé toutes ces époques pour me faire chier jusqu'au bout, vipère. Mais non, Gunvald, Hagen a raison. C'est pas ta femme, mais sa descendante. Je suis sûr de moi. T'es pas si con que t'en as l'air, en fait. Messieurs, il est 20h30. Je notifie votre détention. Pas dans une prison normale, je vous enferme, dans notre époque. Ça m'étonnerait que Olga nous laisse coincer dans ce monde. Olga? Oui. Olga! Aujourd'hui sonne la fin du patriarcat. Tu es une menace pour le féminisme. Dis adieu à ton époque et à ta descendance.